Une messe est célébrée ce dimanche 9 juillet 2017 en la paroisse Saint-Quisito de Kwikou par le curé Benjamin Samanou pour la mémoire de l'illustre disparu père et fondateur du RDPS Jean-Pierre Tister Tshikaya et pour demander la bonté divine afin que les élections soient apaisées. Et un don de 10 millions est offert pour les travaux d'aménagement de la paroisse. Il s'est ensuivi le carnaval qui a pris son départ vers 12h au complexe sportif de Pointe-Noire. Militants, sympathisants et quelques dirigeants de RDPS ont parcouru les artères de Pointe-Noire jusqu'au cimetière familial de Mboukou, où il est allé s'incliner à la tombe du fondateur de RDPS en la personne de Jean-Pierre Tister Tshikaya, son père. Puis le cortège s'est ébranlé dans la sous-préfecture de Tiambanzasi, revenant à Pointe-Noire sur l'avenue Jacques Opango, débouchant sur le pont de Songolo, allant à Siafoumou, Terre Makayabou et autres. Ceci pour dynamiser les sympathisants à se déterminer. Le carnaval a pris sa chute au complexe sportif de Pointe-Noire, point de départ de ce carnaval.